Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Lego Marvel's Avengers. On va avancer donc dans ce résultat de précédent niveau et on fait continuer l'histoire, chers amis. Ouh. Captain, un poulet. Il a sauvé le poulet. Ou le poulet l'a sauvé, ça dépend. Elle. Alors. Ok, ça se passe plutôt mal. Enfin, plutôt bien et à la fois plutôt mal. Bon. J'espère que c'est pas que la cinématique de fin. Parce que techniquement, on a la fin du film 2. On a réussi. La mission est terminée. Maintenant, tu vas faire demi-tour, ok? On te repère pas en mode furtif. Pauvre petit père. Il a mis la musique lui-même. Ah. Tu es le dernier. Tu devais être le dernier. Je suppose qu'on l'a déçu tous les deux. Tu es incroyablement naïf. Eh bien, je suis né hier. Ah, c'est pas ça que je m'en rappelais, moi, dans la fin. Je croyais qu'il l'absorbait. Bizarre. Ça ne compte pas. Moins qu'une personne avec un marteau. Merci. Il est digne du marteau. Qu'il garde la pierre de l'esprit. Quelqu'un joue une partie complexe, et nous en sommes les pions. Vous saurez le fin mot. Oui. À part cet homme, rien n'est inexplicable. C'est bon ça. Et il a cramé la bagnole, le sac. Ce type n'a aucun respect pour les blouses. Mais il va me manquer. Et je vais vous manquer. Que de larmes viriles en perspective. Vous me manquerez, Tony. Ouais. Bon, il est temps de m'éclipser. Ouais, c'est ça. Je suis chez moi. Et elle repart quand même. On est content. Ils sont bons. Ça ne fait pas une équipe. Remettons-les en forme. Alors, verdict, War Machine, Scarlet Witch, Falcon, et il le dit pas, comme à chaque fois. Oh, ils l'ont faite! Ils l'ont faite, la superbe statuette en marbre. En marbre blanc. Ah, magique. Magique. C'est sublime, chers amis. Regardez-moi ça. Je passe mon temps à la regarder à chaque fois que je regarde le DVD, ou enfin le Blu-ray, moi, personnellement. Et je passe véritablement mon temps à la regarder, et c'est vrai que ça rend moins bien en Lego. Soyons honnêtes. Mais ça reste stylé. Hulk. Thor. On va essayer de les reconnaître tous. Hawkeye, forcément. Un Ultron. Bon, lui, on ne le nommera plus. Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, forcément, la Veuve Noire, ok, encore, ils ont dû reprendre les mêmes choses classiques, Quicksilver, Scarlet Witch, Vision, forcément. Ah, c'est sympa. La façon dont c'est fait, c'est vraiment sympa. Puis le respect, avoir autant de respect pour une œuvre, je trouve ça magique, moi, personnellement. Waouh. C'est bio, chers amis, c'est bio. Oh, putain, c'est beau. Pain, pain,
pam 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 pam. Bon, on va le passer. He worth it. He worth it. Stanley worth it. Stanley en est digne. Parfait. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Il est con. Bon, ça fait plein de monde. Qu'est-ce que c'est ? Une machine à laver. Thanos. Il a lavé son gant. Qu'il est con. Oh. You touch my tralala. Oh my ding ding dong. Qui t'es toi? What the... Cléa, Bucky Barnes. Cléa. Qui c'est Cléa? Ça me dit rien ça. Oh là, Bucky Barnes, je sais qui c'est. C'est comment qu'il s'appelle? Le soldat de l'hiver. Cléa, par contre, je ne vois pas qui c'est. Bon, de toute façon, on va pouvoir aller voir les nouveaux personnages. Magnitron. C'est quoi ça, Magnitron? What the fuck? Alors, je suis pas un grand expert non plus, hein. Stone. D'accord. Alors, moi, il y avait des personnages sympas normalement. Hop. N'est-il pas bio? Oh, c'est magique. Ok. On a là un docteur Vaudou, là on a un Dormammu, bien sûr. Normalement vole avec ses ailes. Ah, on verra pas ses ailes se déployer. Dommage. Je crois qu'il avait des ailes pourtant. Jennifer Kell, un cérébré. D'accord. On saute. Wouhou. Tiens, il y a des trucs bizarres par là. Bonjour. Très grand tout ça. D'accord. Alors faudra me dire, chers amis, je mettrai un sondage si vous voulez voir la suite de comment du jeu entre guillemets dans, son, dans sa version vanilla. Je doute que vous le vouliez. Puis on verra ensuite ce qu'on fera si vous ne le voulez pas. L'infirmière de nuit. D'accord. Je sais pas pourquoi l'infirmière de nuit, mais c'est pas grave. Iron Man classique. Oui, bah forcément, c'est un classique. Normalement, il est stylé. Effectivement. Elle est stylée normalement, si je me trompe pas. Espace, plongée, Iron Skull, Captain America, espace. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Captain America, plongée. Qu'il est con. Hyperion, Atlas, non mais il est stylé aussi. Hop, j'aime bien les épaulettes, mais j'aime bien les personnages avec les épaulettes. Hop les... Ah bah non, mais non, c'est ce que je voulais juste faire changer de taille. Hop. C'est sympa quand même tout ça. Hop. On a vraiment accès à une belle quantité de personnages. C'est par rescousse ça quand même, citoyen 5. What the fuck? Je connais pas. Il vole? Non. Bon, il a une belle épée, il sait se battre à l'épée. Jolt Max 5. D'accord. Stylé. C'est complètement stylé. Je me demande s'il va si vite que ça. Météorite. Stylé aussi. Songbird. Techno. Techno, what the fuck? Ah, la moitié des personnages que je connais pas, quoi. Oh, plus, hein, voire largement plus. Baron Zemo, ça c'est connu. C'est un ennemi juré de Captain America.
Chevalier noir, chevalier noir, l'enchantresse, ça l'a pris. Exécuter Iron Man classique, fondeur, l'homme radioactif, Thor classique, Whirlwind, Captain Marvel. Parfait. En voilà un sacré nombre de un grand nombre de personnages plutôt, on va dire. On va dire ça comme ça. Même des gens que je n'ai pas achetés. Officier Sentinelle Ultron à 25 000. Hop, voilà. Ok. Ici on a qui? Jewel, Jessica Jones, on va la prendre. Homme de main Klaue, on va le prendre. Wiccan, on va le prendre. Tous ceux qu'on n'a pas, on va les prendre. Il n'y a pas de raison qu'on ne les prenne pas. En bas à gauche. Sympa. D'accord. Bon. Bon, bon, bon. On a un grand nombre de personnages. Et un grand nombre de possibilités. On a même un symbole très étrange par là. Donc c'est un niveau, en fait, qui a été accompli. D'accord. Donc là, on va avoir besoin... Bah alors ? C'est ce que je fais pourtant. Ah d'accord, c'est parce qu'il n'y a aucune animation vraiment de fait. D'accord. On va appeler Thor. Non, on va prendre... comment qu'il s'appelle? Où est-ce qu'il est? Techno, je suis sûr qu'il doit pouvoir le faire. Voilà, vous voyez? Hop. Ok, on a allumé par là. Maintenant, on allume de ce côté-là. Parfait, ce qui ouvre la cage si je me trompe pas, voilà, parfait. Ça se passe plutôt bien. Et donc là normalement il nous faut un personnage qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'il envoie? Des petites grenades, d'accord. Il nous faut un personnage style Ultron. Style Ultron pour pouvoir... D'accord. Récupérer tout ça. Pourquoi pas. Donc on a une brique jaune supplémentaire. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Normalement, si je fais ça et que je prends... Oui... non. Donc je prenne lui. Que je prenne directement Wicket. Pardon, Techno. Non, je pensais pouvoir réparer tout ça. Voilà. Ok, maintenant il va nous falloir Captain America. Spoiler alert, non, peut-être pas de spoiler. Hop. Hop. Non. Oui. Parfait, ça marche. Hop! Oh, il est du 50 là. Oula. On va prendre mes personnages préférés. Non, tiens, on va prendre plutôt Captain America espace. Hop! Voilà, ça fait du bien par où ça passe. Maintenant qu'on a accès à tous les personnages. Normalement, on a accès à tous les types de personnages maintenant. On peut peut-être récupérer un maximum de choses. Pourquoi est-il invisible? Pourquoi? Pourquoi est-il invisible? Telle est la question. En dessous, il doit y avoir quelque chose, là. C'est bien ce que je disais. Alors, maintenant que je suis repéré, on va utiliser Black Widow. Black Widow, Black Widow, Black Widow, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici. Hop, les magies. Ah non, pas encore. Hop, 1, 2, 3 et 4.
Disparu. Hop, et on récupère. On évite de tomber trop bas aussi, ça aurait été con. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va se reprendre un personnage sympa pour remonter. Ah oui, il a ses boosters de dos, effectivement, ses boosters dorsaux. Exact, exact, exact. Alors cependant, je comprends pas pourquoi celle-ci est complètement invisible. Ça ne... Il y a une course. Il y a une course apparemment, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je casse quand je fais ça? Hop. Alors apparemment faut que je casse un certain nombre de choses. J'en ai vu qu'il y en avait un derrière aussi. Hop. J'imagine qu'il faut que je les casse en temps et en heure. Alors je casse un truc qui réapparaît. Un truc qui réapparaît et qui apparemment est là-dessous. D'accord, c'est les tourelles. C'est l'espèce de tourelle caméra blanche. Ok. Oh là là. C'est compliqué. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, je les ai toutes. Allez. Bah pourquoi tu la verrouilles pas de là? T'es sérieux? Allez, pète-la! Mais putain! Oh! Pourquoi tu veux pas? Ah, il veut pas, hein. Et quand il veut pas, il veut pas, hein. Ah non, il veut pas, hein. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. On va essayer de se mettre à un endroit où il sera sûr de la toucher. Est-ce que là, il veut bien essayer de la toucher? Non, même pas. Alors, pourquoi il veut pas? On se mettait bien de profil. Non, il veut vraiment pas, hein. Alors, pourquoi tu veux pas, Simone? Ouais, c'est un truc. Non, même en bidouillant un petit peu. Attendez, j'ai quoi là quand je fais ça? D'accord. C'est pratique, effectivement. Alors j'aimerais me mettre en fait sur la petite plateforme là que vous voyez. Ou alors dessus peut-être. Oh bah non. Vous pouvez pas mieux faire là. Allez. Oh putain. Ça va être chaud, hein. Attends, peut-être qu'avec ça je peux. Non. Bon, on va prendre un autre personnage. On va essayer avec autre chose.
Steve Rogers en civil. Hop. Hop. Non, bah ça marchera pas. Ça marchera forcément pas. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Thor, on va essayer avec Thor avec le marteau. Mais je doute que ça marche autant. Non, parce que je peux pas, de toute façon, je peux pas l'envoyer en volant. Je peux pas l'envoyer en volant. Et puis j'ai de la merde qui se passe sous mes pieds. War Machine. On va réessayer. Mais vise-le, bon Dieu! Non, marche pas non plus. Oula. Non, ça j'en veux pas, mais merci de l'avoir cassé quand même. Hop. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Et tu me fais rire toi, à sauter comme un con. Oh. Si je m'écarte un petit peu. Putain, il veut pas. Il veut absolument pas. Lui aussi, il fait le big saut de la mort qui tue. Voilà. Non. Et même en fait, même en lui tirant dessus, j'arrive pas à le casser. Donc je n'arrive pas carrément pas à le viser en fait, donc c'est de la merde en fait, il est complètement bugué ce truc là. Ok, bon, bah on va prendre un personnage qu'on aime bien. Ou un personnage plutôt qu'on aime pas. Allez, si on a toutes les armures, on n'a pas toutes les armures, oh mon dieu, on n'a pas toutes les armures. Personnage qu'on aime, ah non, un personnage qu'on aime bien, qu'on n'a pas vu voler encore de trop. Boum. Ok, on y va, on descend. On va essayer de choper un ou deux personnages... On n'avait pas. Hop. On avait dit les personnages, c'était en bleu. Je ne sais plus. Dans les bleus, c'était l'émission. Non, moi ce que je cherche c'est des personnages, l'ami. Désolé de te décevoir. Alors je me rappelle plus du tout les couleurs depuis, bah, depuis la tour, hein, forcément. Donc on va essayer de chercher ça. On a une carte? Non. Des points gratuits, je prends. Hop. Ok, on va essayer de faire ça. Hop les, voilà. Mais moi ce que je cherche l'ami c'est des... Tiens, je crois voir de l'orange ici. Regardez. Je crois qu'il y a de l'orange. On n'a pas encore vu de truc orange. Qu'est-ce que c'est que les trucs orange? Vous voyez? Ah ah! Je crois que c'est un Stanley. C'est un Stanley à sauver, je crois. Il va falloir un Captain America. Alors, qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique? Hop les. Ah, il en reste, t'as pas de chance. Attends, je m'en occupe. Oh oh, j'avais mis ça dans mes scénarios. Hop. Voilà. Oh, bonne humeur.
Te voilà sauvé. Parfait. Instantané en péril. Par contre, c'est pas eux que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est les personnages. Ah, il fait plus laguer le jeu. Parfait. Il faisait laguer le jeu avant sous le jeu d'avant, en fait. C'était rigolo. Hop, on y va. Alors. Je ne vois pas comment on peut retrouver les personnages. Alors, est-ce que je les avais tous faits? Ça m'étonne, hein. Ah non, regardez, là, il y en a un. Il y a un personnage, là. Bonjour. J'ai ici une liste des criminels les plus recherchés par le SHIELD. D'accord. De créer une équipe d'élite pour les pourchasser. Puisque okay. Là, vous me feriez gagner du temps si vous pouviez les trouver. Ne vous en faites pas, je vous récompenserai pour votre travail. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoute, on y va. C'est parti. J'ai pas accepté. J'ai ici une liste. Puisque... J'ai pas accepté. Oui, je veux bien la faire. Attends, qu'est-ce qui se passe? Criminels ne sont pas des... J'ai ici une liste des criminels les plus... Puisque vous êtes là, vous me ferez... Bah alors! Explorer les zones rouges clignotantes, d'accord, ok, d'accord. Ça a été activé en fait. Attention, tous ces criminels ne sont pas des délinquants ordinaires. Bah alors, ça touche pas? Ok. Hop les dégage. C'est stylé. Dégage. Hop, toi aussi, dégage. Hop. Mais c'est comment Malekith? Oui, tout à fait, j'avais pas reconnu. Je suis stupide. Hop, les dégagez. C'est des elfes noirs, chers amis. C'est bon ça. J'ai lu une fanfiction. Alors par contre, ce personnage, je vais avoir besoin d'autre chose, je pense. On va prendre un personnage un peu plus badass. On va prendre... l'agent Carter. Non, je rigole. Je rigole. On va prendre Hulk. Hulk, c'est une bonne idée. Oui, c'est bon. Oh. Où sont les trucs rouges? Ok, t'es pas parti dans le bon sens, mon pote. Ok. Ok, attends deux secondes. J'ai vu un truc rouge dans le coin. Ah, je crois que je ne rentre pas dans la zone. En étant Hulk. En étant Hulk, je ne rentre pas dans le tas. Luke Cage, alors. Mais non, Luke Cage. Ah, mais... Ah! Voilà, un mec qui tape. T'es mauvais, t'es trop mauvais, vas-y, viens. Voilà, et de deux. Par contre, il va nous falloir un personnage qui tape et qui vole. Sinon, ça va pas être... ça va pas être de la tarte, sinon. Je voudrais un personnage qui soit pas forcément hyper méga connu. Eh ben on est con, vu qu'il y en a un qui va sortir bientôt. Voilà, il vole lui. En voilà un qui... Oh là, c'était par là. Hop. Où est-ce ici? Bonjour. Oh, c'est Ronan. Non? Non, c'est pas Ronan. Je crois pas que ce soit Ronan. Oh,
L'autre. Voilà ce que tu sais faire. Ah oui, l'autre, c'est celui qui parle à comment à... Je crois que c'était Ronan sous sa cape, mais non, c'est l'autre, c'est celui qui parle à Loki dans le dans les films. Qui parle pour Thanos. Si je ne me trompe pas. Y'a pas le feu, y'a pas le feu, tout est relatif. Hein. Alors, c'est loin, dis donc. C'est ici. Hop. Ah, je sais, c'est oui, c'est Arnim Zola. C'est celui qui sert, donc qu'on voit dans Captain America, soldat de l'hiver, qui est en fait, qui a transformé son cerveau en base de données, en banque de données. Hop. Et qui est balèze, hein. Il a une quantité de points de vie complètement incroyable. Hop, tiens, je te brûle le cul. Ah, je sais pas ce que c'était que ce sort, mais... Hop. L'écran bleu de la mort, hein, qu'il est con. Excusez-moi, mais c'est tellement con. Hop les. Ah. C'est tellement con. Hop les. Bonjour. Je vois que vous revenez en un seul morceau. Bien joué. Vous m'avez bien aidé. Comme promis, voilà pour vous. D'accord. Et donc on gagne un personnage valet de cœur. D'accord. C'est pas cher payé, hein. Un personnage pour une quête aussi longue. Mmh. 120 000, il coûte cher en plus. Je me rappelle plus du tout de celui-là. Donc je crois que c'est les bleus, hein, ou les violets. On va bien voir. Hein. Donc si c'est un véhicule. Donc c'est une course à réaliser en véhicule. Nous n'avons pas de véhicule pour le moment. Ah, moins que, attends. Hop, on va essayer ça comme ça. Oh là. Ok, ah, je l'ai raté, fais chier. Non! C'est chaud le contrôle. Mais non, je suis passé dedans. Oh la gueule. J'aurais dû prendre Quicksilver. Non, c'est bon, on l'a eu, 4K des Avengers. Parfait. On va continuer sur les violets. Alors on va se trouver quelques personnages supplémentaires, quelques petits trucs supplémentaires. Hein. On les mérite. Oula, un camion de glace, je dirais. On va se prendre Quicksilver, on l'a pas. J'espère que si. Scarlet Witch, on devrait le voir pas loin. On devrait avoir Quicksilver, on l'a utilisé plusieurs fois. Je le vois pas, quelle horreur. Je ne le vois pas. Tony Stark à droite. D'accord, c'est Tony sans son... D'accord. Ok, donc on n'a pas du tout Quicksilver. Ce que je trouve assez stupide, hein, compte tenu du fait qu'on l'utilise. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre... Il semble que Hulk peut se déplacer très très vite. Hop. Voilà, c'est ce que je disais. Ah, de toute façon, si c'est pas suffisant, on saura quoi faire. Hop. Voilà. Ça va, c'est pas trop trop lent. C'est pas trop trop lent. Ok. Par contre, j'ai peur qu'on n'arrive pas à temps.
Si, on l'a eu. Camionnette à tacos. Oh putain, oh putain, on a la camionnette à tacos. Si ça c'est pas la fête, chers amis. Hop. La capacité de déplacement de Hulk, la voilà. Encore un véhicule. Alors remarque, une fois qu'on aura fait tous les véhicules. Je suis prêt quand vous l'êtes. Ah, il faudrait qu'on prenne un petit personnage. On va prendre Pepper. Ça doit être Pepper, ça, ouais, ça. C'est bon, les gars. Pepper, elle doit savoir conduire. Vous arrivez à temps. Mes amis sur les quais n'ont pas trop apprécié que je gâche leur petit business. D'accord. On allait justement régler nos comptes sur un ring. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont bien plus nombreux que moi. En général, c'est pas un problème, mais si vous voulez un peu d'action, c'est l'occasion. On y va. Je sais exactement qui prendre. Oui. Je sais exactement qui prendre. Salut les mecs! Ok, il y en a un qui descend d'un truc, mais on sait pas encore trop ce que c'est. Entendu une grimace, mais bien sûr. Non! Hop! Dégage! Hop. On dirait que vous vous débrouillez bien en solo. Hop. Vous n'avez pas fait de boxe. Bonjour. Voilà, victoire. J'espère que c'est c'est son cadavre qui nous parlait. Parce que ce stomp, stomp. Vrai naufrage. Désolé. J'avais pris la décision de faire une blague en rapport avec un bateau depuis le début. D'accord. Merci de votre soutien. De rien, de rien, de rien, de rien. C'est le plaisir est pour moi. Par contre, je me suis chié dessus, c'est ça? Désolé, c'était pas ce qui était prévu. Y a pas genre un contrôle de la attends. Pouvoir psychique. Est-ce que j'en ai avec des pouvoirs psychiques, moi? Bah techniquement. Voilà, c'est bien ce qu'il semblait. Hop là. D'accord. Je vais pas avoir Ant-Man. Je vais clairement pas avoir Ant-Man. Ah, il passe dans la matière. Ah bah dis donc, ce personnage est unique. Unique et parfait. Ok. Ah si, il construisait. Mince, il construisait. Hop, continue à construire. Qu'est-ce que c'est? Un. Ok, bon. Et ça ouvre ça, d'accord. Oh, puis ça nous ouvre là-haut aussi, c'est génial. Bon, faut que je retrouve où est-ce que c'était maintenant. Hop. Et... toc, voilà, ça nous en fait un de plus. Bon, et eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Commentez au niveau 1, vous pouvez répondre au sondage normalement qui va apparaître au niveau de cette vidéo à peu près à l'instant là. Vis-à-vis du fait de continuer l'aventure et de récupérer un maximum de personnages, etc, 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 etc. Ou de nous arrêter là et de passer à une autre série, à un autre jeu. On verra bien, à vous de me dire, chers amis, ce que vous voulez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yoop.